Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un hall scrap et loisirs créatifs. Alors on va démarrer par mes dernières acquisitions chez Scrap Plaisir. Alors nous avons tout d'abord le papier tradition de Noël avec 8 pages de 30 par 30 et puis 8 bandes de 30 par 12. À chaque fois, donc 2 x 4 exemplaires recto verso. Je montre à peu près. Voilà. Et pour compléter donc cette tradition de Noël, nous avons des papiers plus de fond, donc ceux-là 12 par 12 pages en fait, 12 30 par 30 et 12 bandes de 30 par 12 aussi. Toujours du même principe avec ce coup-ci 6 x 2. Recto verso. Je l'approche un peu plus. Ce lot est à 14,99 et celui d'avant à 11,99. Ensuite, nous avons des lots de. Un lot, pardon, pas des lots. Un lot de pochoirs. Donc 9 pochoirs de 10 par 10. Toujours sur le thème de Noël. Voilà, avec sapin, petite étoile. Le petit bonhomme pas d'épices. La canne sucre d'orge. Les boules de Noël, joyeux Noël, l'étoile de Noël, pardon, le cerveau de Noël, une couronne avec un cœur, la petite chaussette, pardon, et un flocon. Donc ce lot de 9 pochoirs est à 19,99. Par exemple, le pochoir Serre ce qui donne. Voilà. Ou alors, votre pochoir. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Là, voilà. Le pochoir boule. Le pochoir chaussette. Et le pochoir bonhomme. Voilà. Alors, ces petites pochettes ont été réalisées avec les nouveaux dies. Alors évidemment, je ne vais pas les avoir à côté de moi. Non, j'ai dû les laisser en bas. Super. Ah non, les voilà. Voilà. Le nouveau Dice enveloppe. Voilà, à 29,99. Donc le plus grand doit faire. Elle fait 15. 15 sur 11 de large. En comptant comme ça et en s'arrêtant là, puisque là, c'est la languette qu'on plie. Voilà, et la plus petite, elle fait 3 cm sur 5. Voilà. Voilà. Ensuite, alors on va les nouvelles planches de tampons. Donc on a celle-ci, merci pour tout, à 12,99. Voilà, avec donc bonheur, je t'aime, aimer. Un brin de douceur, mon rayon de soleil. Voilà. Que des textes en français, bien évidemment. Ensuite, nous avions celle-ci qui date du mois d'avant, mais voilà, donc sur les licornes. J'adore la licorne. Je vais vous montrer une petite réalisation avec la licorne. Voilà. Hop là. Voilà. Ensuite, dans les tampons pour Noël, alors on a cette planche. Voilà, un peu plus près, avec ces petits oiseaux. Donc, les petits oiseaux qu'on retrouve dans les papiers tradition de Noël, les petites boules. Ici, une petite guirlande de Noël pour faire différents montages. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci avec du texte. Oh, esprit de Noël, 25 décembre. Il était une fois Noël. Enfin, voilà, joyeux Noël, etc. Donc, ces planches sont à celle-ci 11,99, si je ne me trompe pas, non, 10,99, pardon. C'est les planches à 10,99, c'est toujours ce prix-là en plus. Donc, voilà. Et puis, nouveau format pour nous, donc avec 9 petits tampons. Voilà, celles-ci sont à 16,99. Voilà, j'adore. Et elles sont calculées pour rentrer dans des perfos de 5 cm de diamètre.
Voilà, et des dies, 5 cm. Et puis la toute dernière nouveauté, ce sont des tampons de fond. Voilà, de 15 par 15. Donc avec des formes géométriques, des petites étoiles. Ici, ça fait plus penser à des coquilles. Coquillages, quoi, des coquilles de coquillages. Ici, des petits points. Ici, c'est plus forme comme métallique sur les escaliers, des fois anti-glisse. Ou même ceux-là, en fait, un peu comme les deux. Donc ça, c'est 15 par 15. Et on a automatiquement un bloc donc qui va avec. Les tarifs, donc c'est... je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est 16,99 pour le tampon 15 par 15. Et le bloc acrylique, il me semble que c'était 14,99. Je vais vous montrer un peu les tampons de fond, ce que ça peut donner. La langue utilisée avec l'embossage à chaud. Voilà. Est-ce que j'en ai utilisé un autre? Est-ce que le même? Il y avait celui-ci. Voilà. Quelques exemples. Voilà, alors là, c'est tout pour chez Scrap Plaisir. C'est déjà pas mal, figurez-vous. Je vais faire un peu de place parce que je suis allée chez Action où j'ai trouvé quelques... Je vais déplacer un peu. Hop là. Du matériel pour du loisir créatif. Aussi et essentiellement pour faire du gel en premier pour pouvoir poursuivre mes calendrier de l'Avent que je suis en train de réaliser pour les enfants que j'accueille. Et j'étais un peu en pénurie de crépons. Donc j'en ai trouvé des lots hein, avec les couleurs plus de Noël. Donc là il y a 3, 4, 5 couleurs. Donc c'est 0,76 centimes. Et il y a donc 5 pièces de 45 cm de large sur 150 cm de haut. Voilà, on va être trois, je devrais avoir d'autres à faire. Bon, j'ai quand même 6 calendriers de l'Avent à réaliser. Mais bon, ça devrait se faire. Ensuite, j'ai trouvé dans le home déco textile mix. Donc pour faire, ça tombe bien, je veux faire de la peinture sur tissu. Donc à rajouter dans la peinture de base de chez Zo home déco que vous devez toutes connaître aussi. Donc celui-ci est à 1,59. Celles-ci sont à 1,99, donc là j'ai repris une couleur un peu vert doux, hein, voilà, pour compléter celle que j'avais déjà. Je suis tombée sur des stickers bling bling, hein, comme je les appelle, tout doré, donc avec des couleurs bleues, un dégradé de bleu partant du blanc. Donc ça c'est 0,74 centimes, mais je pense que vous connaissez toutes. J'ai acheté des pailles voilà, avec horloge et bouteilles de champagne pour la nouvelle année. Je trouvais ça sympa au niveau de la déco. Donc 62 centimes les 10 pailles. Ici, ce sont des stickers 3D donc sur le thème de Noël et de la bonne année. Je les trouvais très jolis au niveau des coloris. Voilà, donc ça, c'était 0,92 centimes. Ensuite, j'ai pris, j'ai enfin trouvé les blocs, il serait temps, automne. Donc, je ne vous les présente plus, hein, vous les connaissez toutes. Mais voilà, celui avec les feuilles, donc le 15 par 30. Celui-ci, dans les tons noir, rose et argenté. Voilà. Celui qui me faisait le plus l'œil, donc parce que bleu, vert, etc. Donc avec des plumes, attrape-rêve, enfin voilà, j'adore. Et puis le quatrième avec toujours plutôt feuilles, etc. Couleur automne, mais pour faire les activités avec les enfants, c'est très bien. Et ça, le bloc, c'est 1,99. Je pense que je ne vous 1,89. Je pense que je ne vous apprends rien. Et puis je suis tombée sur 3 nouveaux feutres à alcool, voilà, que j'avais pas. Donc le 123, 124 et 166 dans les tons dégradés verts.
Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour, hein, il me semble. C'est des... Et je pense que cette vidéo vous aura plu, j'espère. Maintenant, la prochaine aura sans doute lieu d'ici une semaine ou deux. Alors, je verrai si je pourrai vous poster un peu mes différents calendriers de l'Avent que je suis en train de réaliser. Mais en tout cas, d'ici une dizaine de jours, je referai un haul Scrap Plaisir parce qu'on a encore des nouveautés qui arrivent. Et bien évidemment, j'ai craqué. Voilà, je craque tout le temps parce que je les trouve super. En plus, j'adore leurs tampons puisque c'est des textes français qu'on en trouve pas partout. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bon scrap et puis surtout un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous abonnez, cliquez sur la petite cloche à côté de s'abonner pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater une de mes vidéos. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye! Thank you.